Coucou tout le monde, c'est Emma et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 13 de Yoru no Nai Kuni. On se retrouve à côté de mon Selvan qui s'appelle... J'ai complètement oublié. Bleda Soul. Ok, c'est un Bleda Soul. Ouais, c'est pas son nom mais bon. C'est un Bleda Soul. Ok, allez voir. Madamada yowai. Ima no mama de wa kore kara no tatakai ni tsuitikenai bla 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 bla. OK, le chat pas content. Sodana. Ore rashikenai. Ore wa saikyo da. Je suis suprême apparemment. Dakara kore kara mo kocho no hein? Kojochin no yakuni datte miseru. Nya. Ok. Si vous avez compris, dites-le bon. Moi j'ai juste essayé de lire les katakana. On va voir si le cœur est de nouveau. Ah! Oh! Arigato. Le cœur est de nouveau normal. Alors, c'est quoi cette fois-ci? C'est quoi ceci? Oh, c'est une lettre de... Ok, donc elle a reçu une lettre, c'était peut-être destiné à Lloyd. Du coup, voilà. On va pas aller voir le reste. Allez, on va aller encore faire l'event du petit chat. Pour faire plaisir aux fans de petit chat. Encore une lettre, mais... Ah, je déteste les lettres. Allez, bon, allez, pchut. Allez, vas-y, Simon, c'est bon. Ah, j'avais encore jamais remarqué ça. Oui. Naï. Y a quelque chose en haut depuis le temps ou bien il y a toujours rien? Ça y était déjà. Toujours pas rentré ici dedans. Ok. Faut aller où? Faut aller là. Ok, donc on va aller retourner là et on y va. Par contre, je ne sais pas où je dois aller. Là, on sort de la zone, c'est juste. Ah mais oui, mais on était allé. Mais on n'avait pas eu assez de temps, c'est juste. Tiens, on va rush. Je vais pas vous faire vivre. Je vais pas vous faire. Voilà. Merde, c'est par où? Par où? C'est par là. Voilà, on court beaucoup plus vite grâce au chat. Merde, non, c'est pas par là qu'il faut aller, les gars. C'est pas ici. Ah ouais, ici, il y a le cadeau à casser qui est là. On va passer bien à côté de tout ça. Bah voilà, au final, ça se passe assez vite. En moins d'une minute, on est déjà arrivé là où on était. Allez, bon, ici, on commence à combattre. Quand même, parce que bon. Ah ouais, on avait trouvé cette attaque là, c'était absolument magnifique. Et on peut combot. Kirikigami! Ta! Mien!
Je joue vraiment comme une grosse merde en fait, hein. Allez, je sais pas, mais 3 minutes pour battre cette chose. Ah, je dis 3 minutes, mais bon. Mais sérieusement, c'est moi qui fais de la merde ou bien... Je sais pas, mais bon. Voilà. Je suis désolé pour ce spam, mais c'était nécessaire. Pas de monstre ici? On doit juste faire notre Link. Bon bah au final, nos augmentations de stats sont déjà parties. Une, deux, trois. Ok, great. Great, great, great. Oh oui, non, pas ces trucs-là qui constamment font chier avec leur poison. Ah putain, il y en a un seul qui a eu l'intelligence de se brûler, quoi. Ah oui, c'est juste, je me souviens de ces lions-là. Pourquoi ça a brisé mon chain? L'autre est mort? Ah non. Je déteste ces trucs trop défensifs, quoi. Au moins, il n'a pas foutu un truc de comment que ça s'appelle, d'empoisonnement, et ça, c'est cool. Ok. Bon, occupez-vous de ce machin. Allez! Occupez-vous-en! Merci. C'est pas... Ah si. Je me disais, what the fuck, c'est pas par ici qu'il faut aller? Il vient d'où l'ennemi? Ah, il est là! Thank you.
Allez, j'ai essayé de faire un truc. Mais allez! Pourquoi est-ce que ça ne veut pas? Franchement, j'ai l'impression de faire de la grosse merde depuis là tantôt. Mais genre vraiment de la grosse pure daube quoi. Bon bah merci les servantes, vous avez tout fait. Mais c'est aussi pour ça que je faisais de la merde, parce que mes servantes n'attaquaient jamais comme je m'étais mis en défensif. C'est pour ça que j'étais nul au début. Ok, j'ai compris. Bon bah c'est parti, on va rentrer ici. Nouvelle zone. Oh putain! Le jeu commence à devenir vraiment clairement plus difficile. Hein. Et ça se remarque. Hein. Ah putain! Ah merde, je suis mort. Ah oui, j'ai vraiment fait autant de la merde. Jure, je me suis déjà débarrassé d'un des loups, j'allais dire. Quand même, je trouve que le jeu reste quand même pas mal fluide, entre guillemets. Enfin, je trouve, je sais que j'ai pas le meilleur œil pour les FPS et toutes ces shit comme ça, mais je trouve que le jeu reste quand même bien, alors qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent à l'écran. Plus de bonus de 1300, Blad, tu Blad, c'est bien le Blad. Bon, on récupère un peu des espèces, ça c'est cool. Il y a un mec qui nous vend des machins, enfin un monstre plutôt. Ah oui, c'est le gros arbre là qui...
Merde. J'avais pas vu cette chose venir. Fuck this shit. Fuck this shit. Mais allez quoi. Je joue vraiment comme une grosse bite quoi. Ça fait quoi en fait son attaque? Parce que je l'ai vu partir en l'air comme ça tout d'un coup. Mais c'est ça son attaque quand j'appuie sur R2? Enfin, on va une fois regarder. Ah, y a pas d'ennemi, on peut pas regarder son attaque. Coucou toi! Bonjour. Tu es très grand. Coucou. Merde, non. Lock Golem. J'aime bien les objets avec lesquels on peut faire une invocation. Ça me coûte 4000 de blood. On verra bien plus tard. Pour l'instant, 4000 de blood. Je préfère utiliser peut-être ceux que je drop. Ah, nique ta mère, toi. Alors, je dois aller où, en fait? Je dois aller par là. Du coup, visitons un peu cet endroit. Ah oui, en fait, c'est tout. Moi, je croyais qu'on pouvait monter ici dessus et partir de l'autre côté, mais en fait, pas du tout. Ok, super. Miaou. Oh, on récupère un boost en attaque. Sauf que ça va pas durer longtemps. Du coup, il sera déjà parti quand on aura déjà affronté... Allez, quand on affrontera déjà les prochains personnages... les prochains monstres. Moi, je tombe sur un machin pareil. Oh, putain! J'avais même pas remarqué que c'était un ennemi. Ah oui, quand même, notre boost en attaque, il était bien. Je sais qu'il me reste plus qu'une minute 31. Bon ben on a tout chopé. On dirait qu'on a tout chopé hein. Bon ben retournons à l'hôtel Dende. Non. Ça je déteste quand ça m'arrive ça. Merci. Ah là là. Ah, on va récupérer blindé de blood. Ah oui, 12 000. Les bulles à pu. Fireball le tue. Bon, voyons un peu les objets qu'on a pu récupérer. En fait, là, j'ai compris ce que c'est justement cette partie-là. En fait, on peut combattre que pendant la nuit. On ne peut sortir de l'hôtel que pendant la nuit. Et en fait, pendant sa journée, Arnas, justement, récupère des skill points en choisissant l'action qu'on choisit. Dommage, j'ai récupéré aucun objet pour faire une invocation. Allez, pour faire une machin. Mais en fait, moi, ce qui me dérange, surtout avec le fait de payer, justement, des trucs qui me permettent de faire une invocation, c'est le fait que, en fait, je dois payer l'invocation et je dois payer la création, je dois payer l'actualize. Par exemple, ici, ça va me coûter 4... 5500 de blood pour le créer. Alors que
justement, si je paye l'autre machin, je dois aussi payer pour choper l'objet. Du coup, moi, ça m'embête un peu, surtout que le blood, c'est quand même assez important dans ce jeu, parce que justement, c'est ce qui nous permet de justement faire monter de niveau Arnas. Je vous attendais, Agento Arnas. Cette Lulitis-là, elle est tellement belle, mais vraiment, genre, tellement belle. Le seul problème, c'est, encore une fois, le même problème, c'est la taille des boobs. Allez, enfin, je sais que ça fait vendre des jeux, il y en a des, ça s'est encore vu sur mon épisode numéro quoi, numéro 4, où je mettais genre, où est la censure, alors que que bien sûr, voilà, elle a fait 10 fois plus de vues, quoi, enfin, 10, 10. J'abuse un peu, 3 fois plus de vues, on va dire environ. C'est quand même hallucinant, quoi. On sait que ça fait vendre. Mais bon, quand même, moi je suis pas fan de ce machin. C'est quand le prochain niveau? Coloque. Bon, on quitte. Yoru no Naikuni, Knights of Azur. Il est bleu maintenant? Ah, c'est lui qui était. Ok. Si maintenant. Attendez 2 secondes, hein. On va juste faire un truc 2 secondes. Ah! Ben merci! Regardez! Regardez maintenant ce que j'ai comme putain de signe! Et si maintenant, attendez, si maintenant je mets. Ah putain les bâtards! Ah ouais quand même! Cette petite bande de puputes! Si maintenant. Ouais. Quelle petite bande de. Si. Ah, mais c'est un peu chiant ça. Merde. C'est un peu chiant ça qu'il faut uniquement avoir tous des mêmes éléments pour dire allez tous du même machin pour dire d'avoir Soto. Je peux pas sortir genre par transformation. Là je sors par numéro. C'est pas un niveau, je peux pas sortir par transformation. Ok. Ah ouais, c'est bête. Ok, bon bah c'est pas grave. Du lit tissu. Du lit tissu. Bon, on va aller continuer un peu le jeu. Hein. Alors aussi, il faudrait quand même qu'on aille voir un niveau. Ouais, bon après aussi. Non! Merci. Skill, on a des nouveaux skills. Dash attack. Une putain de dash attack. Blitz chute. 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 Bonus gain. Bonus gain.
je ne sais absolument pas quoi prendre. Mais alors là, vrai, je suis honnête avec vous, hein, je ne sais absolument pas quoi prendre. On va prendre ça. Blitzschütter, c'est certainement le l'arme, le shooter là. On va écoutez, on va prendre tout ce qu'il y a ici justement. Allez, c'est la fête du slip, on prend. Ah putain, en plus tout pile. Ça aussi on pourrait prendre. Allez, c'est la fête du slip. Ah oui, ça aussi c'est par rang. Tous ces trucs ici c'est par rang en fait, c'est ça qui est. Ah, on peut lui mettre un deuxième objet. Eh hey, c'est cool ça. On va faire un sort SP. Non. Attaque. HP. Oh putain, elle en a deux dés comme ça maintenant. Mais c'est génial. Mais c'est génial. Attendez. Et maintenant? Non. Oui. Voilà ce qu'il me faut. C'est le deuxième. Donc là, il y en a 5. 5 aussi. Ok, prenons celui-ci. En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'il faut aller là-bas, mais je sais absolument pas qu'est-ce que je dois faire en fait dans l'immédiat. Parce que je suis un peu bloqué en fait. Ah si, event. On peut lui parler. Oh putain, c'est génial! Ah, il vend toujours la même chose. Ah, 4000, franchement, ça me ferait un peu chier, quoi. Surtout que pour l'instant, j'aime bien ma petite équipe. J'ai mon petit chat, j'ai ma petite j'ai ma petite fée qui fait du feu, et j'ai ma petite fée qui me soigne, et j'ai mon petit attaquant. J'ai pas vraiment besoin d'un truc défensif, parce que c'est un truc défensif, en fait, qui me donne. C'est un golem, donc... Golem, est-ce que c'est le golem? Est-ce que c'est comme lui ou bien? D'un côté, j'ai envie de le prendre, quoi. Je verrai bien. On va bien peut-être plus tard. Peut-être que ce que je ferai, c'est genre, je sauvegarderai. Je sauvegarderai et après, je... Et après, si ça me plaît pas, ben je... Je recommence la partie. Allez, je retire la sauvegarde. Enfin, je ne sauvegarde pas après. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ouais, j'aurais dû d'abord l'utiliser avant d'utiliser mon attaque là. Parce qu'il aurait déjà récupéré. Mais bon, c'est pas comme si j'utilisais énormément sa capacité là. Pour courir plus vite. Non, on s'enfuit! Bon, bah, ils se sont fait toucher. Ok, événement. Que l'aider! Donc c'est le propriétaire de l'hôtel. Ah, donc elle demandait de parler à Lulitis.
Ok, donc apparemment elle va chercher quelque chose pour l'Uriti. Je ne sais pas où elle. Bien, je ne sais pas. Ah, elle donne carrément rendez-vous à l'Uritis là-bas. Oh, c'est mignon. Comment son truc là? Vous voyez sa fleur à Lioritis? Sa fleur brune là. Il y a des trucs qui pendent. Vous pouvez me dire comment ça reste horizontal? Est-ce qu'il n'y a pas de gravité dans leur monde? Sérieusement? でも人として Elle a dit qu'elle l'aime. Elle a dit qu'elle l'aime. Oh, c'est mignon. Ah ouais, eux ils sont comme ça, juste. Moi, je pensais qu'ils étaient genre sur un toit ou quoi, bien. What the fuck? Ah, donc elle a disparu, mais elle a laissé une petite boîte derrière elle. Ce personnage mystérieux. Chapitre 4 complito? Ou bien juste cette partie-là du chapitre 4 complito? Merde. Ah non, juste cette partie-ci du chapitre 4 complito. Donc bon, on va devoir se rendre dans le lobby. Mais ça, on le fera dans le prochain épisode. Moi, ce que je vais faire, c'est vous dire au revoir. Salut, bonne journée, à la prochaine. Au revoir, n'hésitez pas à mettre un like, de laisser un commentaire. Et voilà, moi je vais vous dire au revoir, salut, bonne journée, à la prochaine. Au revoir.